Concernant l'avancement, 100% des élévations en béton armé du sous-sol du socle ont été réalisées. Les voiles et poteaux en béton armé. Le plancher a été réalisé à 85%, soit 18 mètres carrés pour les 22 000 à construire. Le noyau a atteint le niveau R+20, le 20e étage, soit à peu près 90 mètres. Nous avons déjà une vue imprenable sur l'ensemble de la vallée du Bourgrec et les villes de Rabat-Salé. Derrière moi, vous assistez au bétonnage du noyau au 20e étage. Le béton est envoyé par une pompe stationnaire installée au niveau sol, acheminé via des tuyaux de bétonnage sur toute la hauteur du projet et distribué au niveau du noyau via l'araignée en rouge que vous voyez derrière moi. L'ouvrage de structure et de gros œuvres de la tour Mohamed VI avance donc à bon train. La charpente métallique en façade et la structure de plancher, on est aujourd'hui au 3e et 4e étage. Cette charpente métallique est un ouvrage assez particulier puisqu'elle représente 54 poteaux faisant chacun entre 8 et 9 tonnes pièces qui sont assemblées bout à bout et soudées sur chantier. Cette soudure sur chantier représente un travail considérable qui demande deux soudeurs pendant 2 jours et 2 nuits consécutivement pour souder donc une colonne l'une à l'autre. Au total, le chantier comporte aujourd'hui 550 personnes travaillant jour et nuit, dont à peu près 140 travaillent sur la charpente métallique et le reste sur les ouvrages en béton de la tour, mais également du podium. Fin de 7 mois de février, nous avons reçu la visite du président, M. Vengelon. Justement, on va essayer de récupérer dans les parties centrales un peu plus haut. Donc après, un peu, on va faire l'étagement des bureaux. 22,67. On voit le fleuve. Le fleuve, on va voir le fleuve. Et là, vous pouvez voir la digue, justement. C'est un très bel ouvrage. Toute l'équipe, nous avons monté vers les étages 12 ou 13 avec une vue extraordinaire parce que nous sommes très heureux que la tour qu'on peut voir, ça monte, ça marche. Nous sommes au niveau de l'avancement de la tour proprement dite, arrivée au 23e étage, ce qui représente environ une hauteur de 100 mètres de haut. Ce que vous pouvez constater en arrière-plan, c'est le noyau en béton armé de la tour et la périphérie de l'ossature en charpente métallique atteint actuellement le R+6. Donc c'est des poteaux de la façade extérieure qui vont être amenés à être revêtus par la peau vitrée et par les panneaux solaires côté sud. Alors nous avons également pu visiter le bâtiment mock-up. Est en cours de réalisation les chambres témoins où seront exposées les chambres suite témoins de l'hôtel avec l'ensemble des échantillons qui sera soumis pour approbation. Donc les travaux continuent sur un niveau soutenu,
dans les meilleurs standards du métier de construire, à la hauteur du projet de la tour Mohamed VI, qui sera l'icône de Rabat, Inch'Allah, et du Maroc en entier.